Voici tout ce qu'il me reste du mandat et je suis vraiment effondré. J'aimerais bien qu'on puisse me les retrouver. Le Duck, c'est ce drôle d'engin amphibie transportant 22 personnes qui a servi pour le débarquement en Normandie en 1944. Ce collectionneur britannique en restaurait un et l'avait confié à un carrossier de connaissances à Saint-Aigulin début novembre. Un jour de juin dernier, un semi-remorque portant d'engins se présente pour récupérer le Duck, soi-disant à la demande de Marc Rimet. Le garagiste, confiant, se fait berner. La pièce de collection disparaît dans la nature. La supercherie est découverte seulement 2 mois après. Malgré la plainte déposée alors, le propriétaire n'a plus guère de doute. Je pense qu'il s'agit d'un collectionneur. Parce que pour réaliser une telle opération, il fallait tout bien planifier. Et depuis le temps, le véhicule doit être parti dans un autre pays. La barge amphibie a été construite en 1943 par la Royal Navy à 21 000 exemplaires. Peu ont subsisté, un Duck en bon état est vendu plus de 100 000 euros. Il n'y en a plus que très peu, et quand je regarde les possibilités, ils sont très très chers. Et trouver l'argent pour en acheter un autre, je ne l'imagine même pas. Marc Ribert comptait bien aller parader, comme Winston Churchill à l'époque, à bord de son Duck lors des cérémonies du 70e anniversaire du débarquement. Il souhaite maintenant qu'un éventuel témoin se manifeste à une gendarmerie. En attendant, il doit se contenter de sa maquette au 1/43e.